Salut tout le monde, c'est Actu YTBD. On va regarder une story de Bassou 06300 et à propos du match Maroc-Canada. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Yo les amis, c'est le Qatari de l'Ariane, en direct avec le frérot Baby Joe. Grosse dédicace à Charlie, Charlotte. Mina et Charlotte. Yeah, on man. Est ensemble, il me semble. C'est bon, Charlie, c'est fait, va te faire enculer maintenant. Arrête. Et voilà la team Bassou, comment ça se passe quand le Maroc y gagne. Hein. Oh pauvre, quel quartier. Je tiens. Ouais, Grigou. Marco en force. Au moins, il n'y a que eux, ils ont assuré. Voilà, on est ensemble, il me semble. Les amis, on est en direct, on ne voit plus rien. Le chef des Marocains, elle est là. C'est lui là. Hello, how are you, Bassou? Bassou, Namarati. Come to Dubai. Viens Dubai. Bassou, Namarati. Come to Dubai. Ensemble, il me semble. Yeah. Voilà. Yo, les amis, salam alaikum. En direct de live avec Ahmed. Ahmed, aujourd'hui, il donne des pronostics. Yo, le ganga Bassam. Voilà. J'espère que vous allez bien et que ça se passe bien. Et pourvu que ça dure. Bon, pronostic 10 jours l'équipe. Ouais, parce qu'ils ne me croyaient pas. Le Ghana, il va gagner le Ghana.
à plus 2 même. Mais gagner en 5, c'est pas mal. Mais plus 2, c'est mieux encore. Hein? Oui, oui, oui. Et qui nous a donné la Tunisie? Il nous a donné le Maroc maintenant. Non, j'ai rien donné du tout. C'est des analyses. Le Ghana, normalement, il gagne. Voilà, regardez les analyses. Tu vas voir les statistiques. Ils disent qu'il gagne. Voilà, l'oiseau prono. On va mettre ça en snap. Mais non, ne fais pas. Je veux pas, moi. Bon, ça, mais pas de snap. Tu es fou, toi. Les amis, je suis avec James. Il n'est pas avec le Maroc, il est avec le Portugal. C'est les Arabes. Salam alaikum. Dis-leur, c'est pas le khair, ça va. C'est bon, bah, ça va, hein. Voilà, comment t'as mis le truc du Portugal, frérot? Du rabe. Merci à tous ceux qui partagent. Les amis, mon ancien snap, l'Ariane 104, est bloqué. Donc voilà, c'était la story. Abassou. Eh oh, ma brocalina. Adil Bidaya, mazel, mazel, hey yo. Donc bravo à l'équipe du Maroc, gros gros match. Et grosse ambiance à l'Ariane, dans les quartiers de Nice Est, grosse ambiance. Il me semble même que plus tard, il y avait encore beaucoup plus de monde. Ensuite, des heures après le match, ça continuait tout ça. Bah, je passerai voir pour le prochain match du Maroc parce qu'il y a beaucoup d'ambiance au quartier de l'Ariane. Donc voilà, Bassou 06 300 influenceur, voilà, qu'on a vu apparaître avec Nasdas, Sami Nasiri, avec plein de numéros, tout ça, l'inconnu. N'importe qui, je veux dire, n'importe qui, 06, Ragnar, avec toute sa petite team là-bas, côté Nice-Est, dans les banlieues de Nice, dans le quartier le plus grand du département, carrément, c'est le quartier, le plus grand quartier, donc c'est même une petite ville, en fait, c'est même une petite ville où il y a des quartiers, justement, ma parole, l'Ariane, c'est ça, c'est il y a des quartiers dans le quartier, et il y a d'autres quartiers à côté, c'est pratiquement collé, donc... Si on rajoutait en plus les autres quartiers, tout ça, ça ferait... Bon, bref, bravo en tout cas à l'équipe du Maroc, voilà, qui représente les Arabes, les Maghrébins dans cette compétition. Ben, c'est la seule équipe maghrébine et arabe qui est toujours en liste pour en huitième de finale. D'ailleurs, ils affronteront l'Espagne. Très beau match, voilà, avec des grands joueurs quand même. Rappelons Hakim Ziyech de Chelsea, Hakimi du PSG, Bouno et Enesiri du FC Séville, qui reste un des plus grands clubs espagnols derrière le Real et Barça, même qu'ils ont devancé Barça même. Très grosse équipe, très bonne cohésion, content du retour de Ziyech, content de la victoire, même si, voilà, on peut en discuter. J'en discute, je fais un petit débrief où je fais quand même des petites critiques dans cette joie, parce que la deuxième mi-temps n'était pas terrible en fait. Donc c'est sur la chaîne Nasri 06, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Bassou 06 300 sur Snap, à ActuYTB et Nasri 06 sur YouTube. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB de Juice. Truc du Portugal, frérot. Il est durable.